Kiofis, c'est avec beaucoup plaisir que je me retrouve cette semaine pour l'analyse de la septième journée hippique. Cette semaine, nous prenons comme épreuve principale le Mauritius Derby Trial Cup, une épreuve réservée à un cheval de 4 ans qui pourra galoper le 1400 mètres. C'est un championnat 4 ans quand nous retrouvons le fameux Frosted Goal et retour de un cheval qui participe dans la Duchesse comme Padre Pio qui est le favori de la course et nous avons Master of Illusion, une Arizona Silk et entre autres. Et comme chaque semaine, à mes côtés, on a Ismaël Sheikh Mastan. Ismaël, bonsoir. Bonsoir, Mourad. Et c'est avec beaucoup de plaisir cette semaine que je retrouve un ami, un jockey de renom à Maurice. On a avec nous le plaisir et on a avec nous accueillir aujourd'hui Dinesh Souffol. Dinesh, bonsoir. Bonsoir, Mourad. Dinesh, 6 victoires déjà cette saison. Malheureusement, deux semaines de suspension sur World Tag justifiées. Et Dinesh, depuis le commencement de la saison, 6 victoires déjà, comment on file, hein? Très très satisfait même. Je ne sais pas qu'il peut y avoir 56 victoires là. Au contraire, je ne sais pas même qu'il peut y avoir 56 la monde là au début de la saison. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jockeys qui gagnent un PMI. Là, c'est un bon jockey qui commence à venir un peu. Nous gagnons la chance, mais on essaie de saisir un bon sens ça. Et résultat là, mais malheureusement, comme je disais, on a deux semaines mises à pied, mais on aurait commencé la semaine prochaine. Et Dinesh, nous, comme toujours, nous souhaitons tout le bonheur. Dinesh, on est un écoute au Captain Garrett, un écoute au Captain Flint, des chevaux de l'équipe Roussette. Vous pensez que ça va là pour l'encore loin? Premièrement, je vous dis merci et que ben, l'équipe Roussette me fait ma confiance, qui ne m'a pas encore aucune écoute dans mon corps hier. Je n'ai même pas gagné l'écoute pour l'équipe Roussette, parce que je peux trop gagner la montre, même pour vous. Et pour mon ben, c'est pas la recette même, c'est un autre plaisir. Tout qui était, ben, l'équerie champion, ben, l'équerie cassé, bien hormé comme si. Mon ben, c'est pas la même, c'est plaisir pour monter. C'est gagner les courses pour c'est un autre chose encore. Une autre satisfaction. Et, ben, moi, j'espérais ça continuer, mais les points dans ce jockey, t'y a, mais moi, j'espérais un des doubliers. Un des Et surtout que c'est un gros cylindre. Oui, oui, oui. Bah, oui. Des fois, il y en a beaucoup, fois, il y en a un double de bande de courses. Et Dinesh, je connais qui est attaché avec l'écurie Vincent Lett à l'entraînement et aussi dans les courses quand il donne souvent la montre, comme ça. Et Dinesh, au début de Twister of Fate, c'est où qu'il se perd l'entraînement à Floréal. Moi, je suis là-bas, m'en trouver. Et on amène ces vols-là dans une condition appréciable. Après, c'est où qui se peut entraîner dans le galop, aux côtés de World Tag qui est bien en fait d'être tu peux monter. Tu sais, en fait, il prouvait qu'il y a l'autre cara et il y a la Duchesse au la main. Et c'est où même le World Tag qui domine tout ce qu'on fait. Mon pensée, c'est où que World Tag est battu là. Ça se là, je vais trouver la piste lavée, pas si bon. La piste c'est 4.0 et c'est valable pour 61 kg. Ces jours-là, vous êtes capable de trouver et presque tout le monde se va l'update, tu peux gagner. Man se va qui tu veux gagner première position, deuxième position. Et man se va l'aider, tu peux gagner un peu de difficulté. Moi, pensez ça qui fait lien, tu peux. C'est tout handicap. Handicap aussi. Et que la piste, ça pas si lourd, mais comme on dit, il tient un sticky. Oui, il y a sticky. Il y a la man se va qui amène un peu moins de poids. Mais ça qui fait l'IPA dit. Mais sinon, je pensais, tu peux, pour moi, presque difficile pour battre ça, c'est pas là. Même si je suis 60 kg, je vais te battre. Et malheureusement, l'une des années pour moi, c'est Constance Técos qui fait ça. Dinesh, tu sais, en fait, tu es World Tag, tu as refait un galop cette semaine. Comment trouves-tu ça, en fait? Tu sais, en fait, très très bien. Très très bien à l'entraînement. L'ingot se forme, il y a une jeune, une rose, il y a une bonne cheval. Il y a les mêmes, de toute façon, il travaille. L'icône, c'est ce qu'il a fait, ce travail qu'il a fait quand il a envie de travailler. Quand il a trouvé des fois, il y a un peu ce caractère même comme ça. Comme il n'a pas envie de travailler, il faut arrêter. Mais il est comme ça, mais il est très très bien. C'est mon camarade, c'est là très très bien. Le Sogarlo m'a dit, il travaille très bien. Le grand rendez-vous la semaine prochaine. Moi, pensez, il est prêt. Okay. Nous tenons avec nous Navid Nagadou quelques semaines de cela. Il peut expecter 4 classiques
avec le ça tu peux un grand plaisir si gagne ouais. Classique gagne c'est val qui peut monter tous les jours à l'entraînement et on entraîne ça c'est val là dans les kiri que tu étais gagne carte classique ça fait un grand plaisir comme voir arriver une faire moi j'espère ça n'est capable faire pareil moi j'espère que sa saison là tu sois fait vraiment montrer lui à la hauteur et comment dîner s'entraîner d'une skin qui t'y attaché avec le cheval depuis qu'il est venu Maurice, donne beaucoup de peine à Alphorial et à pour lui les deux. J'espérais qu'il dîne Tustafet donne nous tout le plaisir et lui apporte quelques, pas quatre, au moins trois ou deux classiques, ou un classique encore. Et comment je te connais, Ismaël et Dinesh, hier, tu n'as les courses, sans en oublier, Angleterre. En Angleterre, pour Tchikalpé, le Nourez Jaglal, tu as Nourez Jaglal Memorial Phillies Stakes, galopé le 7 furlongs, et remporté par Passionova, monté par Pat Gosgraf. Et c'est un des courses qui est un Mauricien qui est sponsor, Nawaz Madou, ensemble avec Kevin Defoy, entraîneur pour sa propre écurie, associé avec Voldemort Vigrota, Julia Vigrota. Et hier, tu sais, les courses, c'est galopé, c'est une remise de prix et tout. Et nous, la régie fait une vidéo pour montrer nous ça les courses. On demande à la régie. Cette vidéo et qui nous tout le monde qui écoute nous sommes capables de connaître qui nous passait hier, comment nous honorons Nourez Jaglal en Angleterre. They're ready. And away they go. They're racing very slowly away. One of the outsiders, Magna of Illusion, in the Nourez Jaglal Memorial Fillies Novice Stakes. Good speed in the early stages. Some subtle beauty in O'Sheen Murphy, the red jacket of Pollinate. Moonlit Cloud is also prominent in the early stages as well. They're then followed by Montrath or Mountrath in the yellow sleeves, also prominent Shekina. Then towards the near side, Sweet Enough in the pink and the dark blue stripes. Also prominent is Grey Sonata for De Souza. They're then followed in mid-division by Sienna Breeze. And then Malathat, the chestnut there in the first Shadwell colour, just being nudged along a little bit. Then Pearl Bay and making it up towards the rear of the field, also towards the back, the slow start of Magna of Illusion. Then Angel Amadeus, Sweet Expectation, and the one that's hopelessly outpaced is Cambridgeshire as they make their way towards the halfway point and past it now. And it's Subtle Beauty that leads to in second position towards the far side, Moonlit Cloud. There then followed by Sweet Enough, who's taking aim in third, still travelling strongly. Then Passion Over, the orange jacket nearest to us, making it up, is trying to get a little bit closer. Pearl Bay's making a bit of headway down the centre of the track. Inside the final two they go. Subtle Beauty for Murphy, the far side, Passion Over. The only winner of the race is boxing on. And in between the pair, Sweet Enough is going strongly too. Down towards the final furlong they go. And it's Sweet Enough just about the leader to Passion Over. Now Subtle Beauty's beginning to flag. Angel Amadeus is staying on from the back as well. Inside the final half furlong they go, and it's Passion Over beginning to get up, and it's Passion Over goes on the win for the second time. Beats Sweet Enough, Angel Amadeus, Subtle Beauty, and in fifth, Sienna Breeze. Welcome to the Canada Round, one of the family friends of Nourez Jaglal, who was having fun at race riding a couple of months ago. And he will give the first prize on behalf of the owners, Sir John Brickblatt and Mrs. Proud and Baker, who please bring hands together for Tom Goss. Woo! And ladies and gentlemen, also a prize for your winning trainer as well. He's also a part owner, so he's doubly happy after the win of Passion Over. Would you please welcome George Baker? Marty Baker. Or Marty Baker, on his behalf. And the final prize you have, ladies and gentlemen, is your winning jockey. So please would you welcome Ash Cosgrave.
So all my thanks goes to the Vigota family, Mr. Waldemar Vigota, Mr. Nawaz Madhu, along with Mr. Kevin Defoy, who is watching us live. thank you also goes to Julia Vigota, who supported Nawaz in doing such a brilliant act. Merci aussi à Safia Madhu, une petite fille de 13 ans, qui est une grande fan de Nourez Jaglal. C'est lui qui pousse Safia Madhu, c'est lui qui pousse Nawaz à faire une action comme ça. Et Nawaz, nous remercions Nawaz qui fait dire la réalité. Et aussi, faire honneur à. C'est grâce au petit Safia Madhu qui aujourd'hui Maurice est honoré. Et c'est Nawaz, c'est un des premiers Mauriciens qui nous sponsor une course à Newmarket. Et nous remercions eux de fond du cœur. Nous espérons que la famille Jaglal est honorée par ça. Et nous laissons à nos autres qui nous donnent projet avec moi et Nawaz et toute l'équipe. Pour honorer aussi au Messoir Chaman qui est décédé quelques années de cela. Alors nous pouvons travailler dans un projet pour qu'il nous essaye de faire les courses Gallup Lossonon en Angleterre. Nous ne pouvons pas connaître la piste, mais nous finissons faire l'entrée. Nous, il prend le temps, nous pouvons faire une réponse dans 2-3 mois. J'espère qu'il sera réalisable et qu'au Messoir Chaman aussi, il est honoré pour ça et la famille aussi, ils sont isolés. Ils ne sont pas délaissés pour définitivement. Nous. Mais nous pas pour arrêter là. Nous demandons Dinesh, où est-ce que tu es vraiment émotionné pour le décès de Nourez Jaglal? Aujourd'hui, il y a un manque quand on trouve le classement. Hier, mon petit classement, je trouve ce nom en bas, 3 à la monte et qu'une 4e place, il y en a. Où ça l'est là? Comment tu sens ça, Dinesh? Émotionné. Il travaille, ça qui nous fait nous continuer, mais il y a une collègue travail, nous moque, parce qu'il y a une personne qui nous fait badiner, causer, apporte l'eau, la piste, nous qui ben concurrent, mais apporte ça, mais nous, ben comment? C'est bien jovial, lui. Oui, c'est bien jovial, tout le temps, tous les jours, Michel. C'est extraordinaire, Et il se montre bien, il y a une personne qui fait très très bien en Singapour, tout ça, et tu connais, nous fait. Moi-même, je peux bien m'y aller. Ils montent très très bien, pareil comme Karis Titan. Tout le monde qui est monté, ils montent très très bien. Ils peuvent tenir nous parfions l'île Maurice, comme on dit, PSES, partout. Et ça fait vraiment plaisir, mais nous manquons. Justement, le refinancement, Dinesh, ça montre aussi le risque du métier. Il est facile, beaucoup de gens qui pas montent à cheval, qui pas un jockey de métier, il est facile des fois critiquer. Mais quand même, nous a fait ressortir que c'est un métier pas facile. Pas facile, demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. 5 fois par jour à l'entraînement, 5 fois par semaine à l'entraînement, nous jouons les courses, ou bien on est en amont, 10 fois l'amont, 10 gros. Il est facile de critiquer, mais ça montre, c'est un exemple que vous faites, des fois, les courses, beaucoup de bandes d'immunes, c'était la tendance. Mais au niveau de un peu money minded, c'est-à-dire gagner. Ouais, mais ici Maurice, les problèmes beaucoup du monde pinaha racing culture là, c'est tout causé d'après qu'ils ont joué. La betting culture. C'est juste pas ce qui causait au fait. Ouais. Ouais. Mais c'est moi un du monde qui connaît, oh, qui comprend. Mais moi ben du monde tu faisais guetter qui n'est pas facile pour monter, c'est vrai. Il n'est pas tout du monde qui pour causer avec un cheval pour monter un cheval même pas facile pour faire pareil comme ce qui est un parfumier faire il n'est pas facile. Définitivement. Et la fois nous a fait ressortir aussi les commissaires sont là pour prendre une décision et n'a pas la montre qui demande certainement interrogation. Non, ça c'est sûr, il part tout dans le monde, il part tout, mais il n'a pas du monde, il n'a pas une critique qui des fois c'est dur envers un jockey qui énormément critique, vous connaissez tout là pour donner l'opinion, mais c'est moi énormément critique, un peu disgusting. Oui, mais le jockey, lui, dans l'île, il reste professionnel. Définitivement. Il focus de ce travail. Ouais. Et il connaît qui critique, il prend l'île positif. Définitivement, mais des fois, Mourad, des fois, quand nous dînons aussi, il y a souvent remarqué quand on guette les réseaux sociaux, quand on retourne en dimun, ban TM qui se sert vis-à-vis de ban jockey. C'est incroyable. Oui, parce qu'il dit, je te fuis, c'est ce que j'ai envie. Ouais. Et le jockey, lui, il est bien ignoré. Il paraît que je n'ai pas dit jockey. Tout le monde doit critiquer. Mais le fait qu'il. Ça que Dimoun, il prend lui positif. Ouais, et là, Dimoun, il ignore certaines poses. Moi, comme Maurice est un peu plus. Ouais, Maurice, c'est une exception. Oui. Enfin, est-ce que nous remercions maintenant encore pour ce qu'ils viennent faire.
et qui la famille Jaglal qui peut être nous commencer de trapique au TTT déjà si là la semaine dernière il dit qu'il manque moins les loups manque moins les gros mais qui vous fait la vie continuer et moi ce qui m'espérait c'est qu'il ce moment papa reste bien et qui de n'importe comment déjà soulève le drapeau de la famille c'est tout ce madame avec ses enfants c'est important comment nous dire en fait ce moment papa a fini faisait la vie mais ça va nos enfants là voilà, qui petit 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 ce moment il n'a pas gagné pas là il y a un scala 18 ans parce que c'est bien petit ouais je pas pour moi pas quoi même je vous rappelle je papa ouais ça là ce qu'ils étaient là après ouais, mais c'est bon, les enfants qui il est bien triste qui, oui, c'est les enfants là qui ouais, plus important qui s'affectent plus affectés maintenant qui plus grand pied donc comme si enfin j'espère qu'il se repose en paix l'âme repose en paix qui bon Dieu donne notre courage pour ouais définitivement là nous passons à l'analyse de la course principale de cette semaine la Mauritius Derby Trial Cup septième course qui pour galoper le 1400 mètres un groupe 3. C'est la première manche du championnat des 4 ans. Cheval numéro 1, nouvelle unité de l'écurie Ricky Mingo, Frosted Goal, confié à Kone Hofer, 61 kg, 7e ligne. Arizona Silk de l'écurie Mervin, Richard Oliver, 56 kg, 8e ligne. Fausse Goal, doublure de l'écurie Ricky Mingo, confié à Ride Rawan, 54,5 kg, le solide 2e ligne. Master of Illusion, Sonara Mansell, 54 kg, 1er ligne. Essan, Yashine Mamdi, 53 kg, le solide 2e de l'écurie Gazador, 3e ligne. Battle of Alésia de l'écurie Rameshwar Gazador, Swapnil Rama, on sait 52,5 kg, le solide 2, 4e ligne. Et Padre Pio, le favori de la course de l'écurie Simon Jones, Alvin Oroy, on sait 52,5 kg, 5e ligne. Ismaël, Padre Pio. Très bonne course dans la justesse, une course difficile en épaisseur. Que moi pensais, ça joue là, quand ici, fait un résumé de la justesse qui. Le jockey Bikari, Tika fait mieux. Surtout qu'il partit dans beaucoup de trains à l'avant. Me penser, avec le poids qu'il pourra amener demain, c'est une occasion en eau pour il est capable de mettre le cheval de l'écurie Mingo, Frosted Goal, qui, comme on le connaît, c'est un des meilleurs, ou c'est le meilleur cheval importé cette année-ci. Le poids, je dois se faire, le fait qu'il y ait une course de ce Lazam, et. Il y a un ami correct. Bon, c'est dit pour. C'est un galopeur, c'est un gros cheval. L'ami peut avoir belle importance, même moins neuf, surtout avec le poids de 52 kg qu'il peut porter. Pour moi, c'est l'occasion en haut demain pour Padre Pio. Il a une chance au moins, surtout qu'il est course à pas galoper handicap, battre Frosted Goal, ce qui peut faire une course de rentrée, mais qui lui aussi lit bien. Il y a une préparation correcte avec quelques grosses galopes aussi. Pour moi, c'est un classy horse en Afrique du Sud qui ne galope pas des courses de groupe, qui ne même gagne pas des courses de groupe. Nous bien quand même respecter lui par rapport à ce classe. Ne pas penser lui à 90 à 100% de ce val moyen. Il y a encore une marge de progression ces val là, surtout qui encore jeune. Ne pensez pas de Pio, il y a un slag edge le Frosted Goal pour cette fois-ci. Pour la deuxième manche, me pas trop aussi. Pas trop aussi à Dinesh qui moi je suis un peu pour Ben Sval qui n'a plus d'expérience Ben Sval comme full scores et même Echan faut ne pas oublier qu'il s'est fait là tu gagnes 16 l'année dernière il gagne ce premier les courses 16 à 3 ans et tu gagnes bien fraîche tu gagnes bien et vous venez il y a beaucoup c'est pas qu'ils ont gagné bien fraîche après au paraît trop vous êtes et ça n'a là il bien galopé après mon collègue qui gagne un petit problème mais mon pensée cette année si et que sa troisième couleur là, avec petit poids, là, il pègue à la fraîche 400 mètres encore. Moi, je pensais que c'est un cheval qui est bien guetté. Et même Fool's Goal, c'est un cheval qui a gagné les courses l'année dernière. Right. Et Rai connaît bien. Rai a gagné les courses avec Rai. Des victoires, c'est avec Rai. C'est des victoires, c'est avec Rai. Là, il gagne une bonne couleur. Il prend même 54 kilos. 54 kilos, il est bien placé dans les courses. Oui, il est bien placé. Et quand même, je pense que. Peut-être les pour devant ou Master of Illusion qui n'est pas pour devant. Si il n'est pas devant, il est pour deuxième position, il est pour dance striking position. Et me penser, mon petit peu le princeur, Full's Goals et Padre Pio et Echan. Laisse-moi mettre un fils qui peut écouter nous. Les deux chevaux que Dinesh a causé, Full's Goals, il prend 15 kg de balance et Echan, il prend 21 kg de balance, ce qui, bon, si vous êtes premier aussi. Et. Ismaël, battez la Valaisia.
Mais certains aiment les courses de sport dans la justesse, surtout que l'entourage est assez, tu parais assez confiant qui se jette sur le cheval pour bon les courses. Mais un peu one pace du 400 mètres dans la ligne droite, tout ça. C'est valable. On a l'impression qu'il s'est valable moins mieux qu'il s'était dans la justesse. Peut-être qu'il y panne bien prend sur les courses, mais bon. L'entraîneur peut prendre le sens, surtout qu'il c'est valable pour mener, il y a aussi pour mener un lightweight dans les courses. Ça, les corrects, mais sur les courses de Duchesse, un peu décevant. Et c'est pour ça qu'il ne m'a pas trop fait lui confiance pour cette fois-ci. Mais bon, peut-être qu'il m'a tout. Oui. Il est un correct. C'est un light horse, il fait 450 kg. Il me prend 2 kg sur la balance, qui est bon aussi. Mais comment me dire où ça les couches de Duchesse, me penser un peu décevoir moi la dernière fois. Est-ce qu'il va accorder un sens gagner dans les courses, non? Gagner non. Placer oui. Surtout placer peut-être, mais quand même il a un concurrent assez bien armé dans la course. Me penser nous bien regarder ça les courses, peut-être qu'il ça les courses ça capable de nous une indication par rapport au potentiel du cheval. Dinesh, est-ce qu'on trouve Arizona Silk? Je ne pas trouver vraiment, mais il fait net les courses rentrées. Dans la duchesse des Gatus of Fate. Oui, des Gatus of Fate, mais plutôt, un peu plus. Petite chance à Arizona Silk. C'est pas parce qu'il cheval là il y a un bon cheval. Ouais. Après ça après sur les courses il progresse. Qui fait me donner un sens c'est qui parce qu'il est le seul cheval qui a le four wide dans Duchesse. Depuis 900 mètres il peut descendre four wide pas de plus haut il free wide. Il peut descendre ici à côté ici plie alors il y a de pas de plus haut il four wide. Il four wide mais il termine à 5 longueurs de Twist off mais même il gagne des courses. Ouais. Ouais. Il décide de parquer pour des yens. Ouais, définitivement. Le groupe, juste derrière Monster Vision, Stop of the Clock, juste derrière maintenant. Astier, dans les courses que tu as dit, 7 portants, quand si Monster Vision a le devant, ou Fouse Gold a le devant, il est one-off, ND, 3ème cheval, 4ème cheval, il est one-off, après il est un autre cheval, il n'est pas pour même free-wide cheval là. Définitivement. Avec la peau du jockey Richard Oliver, je pense moi qui c'est voilà capable de faire une jolie les courses demain. D'ailleurs c'est un cheval de qualité qui est grimé bien assez. Moi je partage l'opinion par rapport moi, à ces courses. Moi je vous donne Arizona Silk un sens dans les courses. D'après déroulement les courses, c'est le fait qu'il y ait un petit lot. Après il est aussi vrai qu'il est désavantagé par rapport au poids comparé à Padre Pio et les autres, mais c'est moi je pense qui sur rating 68 et Padre Pio 55 et a 13 points de différence. Il vaut 3 victoires, ça. Définitivement. Il vaut 3 victoires. Ouais. Vous pensez, moi, qui, Bantia Fils, selon moi, je vais bien mettre Arizona Silk dans une bande exotique bête. Bande combinaison. Bande combinaison. Parce que vous pensez, les boutiamines, les coups, ça, très, très bien. Alors, Dinesh, où tu es? C'est Full Skull, Padre Pio, Eshan et Frosted Gold. Moi, un léger avantage à Padre Pio par rapport à le fait qu'il y ait des années de course dans la jambe. Des Limobo Place, Frosted Gold, qui est un cheval de classe qui me très estimé, me pensait sur l'entourage, bien estimé. À la troisième place, son compagnon d'écurie, Fool's Gold, qui me pensait pour gagner les courses en eau, sur les bords, et avec rail des arcs de cheval là. Pour moi, c'est Padre Pio, Arizona Silk et Fool's Gold. Je pensais qu'à l'heure actuelle, là, Fool's Gold est bien mieux au niveau de la condition que Frosted Gold. Alors, c'est pour parcours, Fool's Gold, c'est une petite chance. Nous passons à l'analyse de la première course. Faux Gab à la plate, 1500 mètres, réservé à 20 chevaux de la classe 9, 0,15. 8 portants au départ. Numéro 1, Seven Silver, Ali Hossein, en selle 61,5 kg 4e ligne. Le 2, Groban de l'écurie Kimengor. Ride Rawan, en selle 61 kg 1e ligne. King Sempire de l'écurie Charmerton. Rakesh Bagirotti, en selle 61 kg 5e ligne. King Story de l'établissement Jean-Michel Henry. Bachami, en selle remise de 4 kg. Il n'a que 56 kg le solido 3e ligne. Biométrique de l'écurie Vincent Allette. Alvin Roy en selle, remise de 3 kg, il prend 56,5 kg le seuil de 7e ligne. Give Me a Swing, Chaman en selle, 58 kg, 8e ligne. Sarah Secret, Réa Zoulas en selle de l'écurie Radramdin, 58 kg, 6e ligne. Et Special Force de l'écurie Nagadou, Kalicharan en selle, 56 kg, 2e ligne. Dinesh, biométrique, une jeune l'écurie, il commence à entraîner.
Floréal nous trouve super pick up un ticket après un confinement, on va rebaisser, on va revenir ou l'impression de ce val là ce val là et lit bien, mais peut-être que peut-être le me penser les pour besoin de galop. Mais ça 0-15, ça n'est pas facile pour donner un gagnant, même les dents. Mais c'est valable bien, c'est valable bien, mais... Il est dans les trois premiers, mais pour gagner, pour dire oui, il est capable de gagner les courses, pour moi, un peu difficile. Mais comment dire, dans 0-15, tout est possible. Tout est possible. Et où lecture de ça les courses? Mon lecture à les courses, je suis bien content de Special Force, des fois, je suis monté, je suis là, c'est le petit déplacement un petit peu. Et je pensais que c'était bizarre, ça gagne là, ça là. Et je peux mettre Special Force devant King's Empire. King's Empire. Et puis, je vais donner biométrique en sens dans les trois premiers. C'est Special Force, King's Empire et biométrique. Ismaël? Moi, je pensais que King's Empire, c'est une course bien taillée pour lui. Il a fait une forme stable par rapport à ce dernier sorti que tu partie gain passage dans la ligne droite, pas vraiment un clear run en ligne droite. Mais bien content sur Galo en solitaire, Maudi, il paraît dans une forme correcte, il travaille bien. C'est un champ vraiment moyen, c'est un 0-15. Me fait l'île favori, King's Empire, devant l'île pour place Seven Silver, qui la dernière fois, c'est Galo en 0-25, c'était sur les courses de rentrée, qui n'a pas mal galopé, surtout qui nous remarquait dans les courses, qui au 400 mètres, il fait assez wide, mais quand même, il est battu que par James Peter et Canary Island. Des chevaux qui commencent Canary Island la semaine dernière, répété. Cette semaine-ci, James Peter, presque favori dans une course. C'est quand même un cheval assez délicat qui n'a pas mal de problèmes, mais dans 0-15, le cheval il a une forme correcte, appréciable. Pour lui, il est le gagnant de la course. Non, le gagnant pour moi sera King's Empire. King's Empire, Seven Silver. Seven Silver. Et à la troisième place, Special Force, comme Dinesh disait la dernière fois, pas une fin de mauvais les coups. C'est surtout qu'il peut dire la dernière fois sur la scène s'est déplacé. Il y a une bonne ligne. Vous pensez Il doit le TSC. Il a une bonne position, Special Force. Il a une bonne position. Ouais. Est-ce qu'il vous donne un sens à Sarah Secret? À première vue, Sarah Secret, pour moi, il paraît le cheval plus rapide de l'Ego, ça. Enfin, à cause, c'est pour la raison pour laquelle on demandait, parce que le fait qu'il est sorti plus vite que Captain Falcon exactement. Et Minalus Venture la dernière fois. Mais, il paraît un seul front-runner dans les courses. Après 3-4 foulées, il oui, mais quand même, à l'intérieur, il y a un Special Force, Dinesh Kav, confirme-moi, il y a une certaine rapidité, il sorti assez bien, mais bon, il n'est pas un front-runner, Special Force. Sarah Secret, c'est un cheval qui a l'habitude, des fois, il se regarde même 990 mètres, ouais. 400 mètres. Il y a beaucoup plus de gate speed. Laisse-moi faire ressortir qu'il a fait dernier Sarah Secret, il galope sur les courses de rentrée, le cours dans 0-20, free wide, avec une force de 2.5 ouais. mètres. Et il termine 10, 5.80 longueur. 6 longueur de ouais. point de cheval 0-20, et avec un rating de 9. Fait un les touches en mos, free wide, termine 10, 5 oui, longueur. Oui, non, d'accord. Mais, enfin, me pensais aussi que le parcours de 1500 mètres, il capable un petit peu long pour lui. Moi, d'accord avec vous, ouais. qui fait parce qu'il, sans oublier qu'il a 4.5 mètres de fausse race. Plus les fausses races. Approximativement 25 à 30 mètres de balle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beau. Il a arrêté les courses, les sprints. C'est pour ça que je me demande sa question. Pour moi, d'ailleurs, moi, je vous mettais dans mon TSC. Pour moi, c'est Seven Silver devant King's Empire et Sarah Secret dans les deux zones. Dans les deux zones. Nous passons à l'analyse de la deuxième course. Deuxième course, Mr. California Cup, 990 mètres. 8 portants au départ, coupe foliute, Sonara Mansell, remise de 4 kg, 56,5 kg de solide de 6e ligne, Global Glory, une nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin, Richard Olivier, 60,5 kg de 2e ligne, Master of All Eye Survey de l'écurie Alain Pedro, Vikram Solan, 60 kg de 1er ligne, Wendyle de l'écurie Amos Udial, Swapnil Rama, 60 kg de 5e ligne, Duke of York, de l'établissement Ricky Mingor, Kone Ofa, 59 kg de 7e ligne, Golden Stone, de l'écurie Cyrus Narang, Otaraz, en selle 59 kg, 3e ligne, Godiwell, Benoît Fedeb, en selle Vincent Allette, 58,5 kg, 9e ligne, et Secret Circle, nouvelle unité, débutée la dernière fois, de l'écurie Simon Jones, Alvin Roy, en selle 55,5 kg, le Soledo, 8e ligne. Est-ce que Godiwell fait une finish époustouflante, comme à la Dinesh Souffle, cette fois à Dinesh? M'espérais, parce que sa façon de galoper la dernière fois, personnellement, je ne vais pas croire que les courses la dernière fois parce que je suis un peu père qui se prémie les courses après presque deux ans. Presque deux ans. Et
c'est pas là l'ingalpé des courses extra parce que l'inzéné le départ l'inzéné 700 mètres les tonnes tout l'un droite même j'aime envoyer les même la route moto c'est pas là une un peu la route il est pas une chaîne mais au contraire l'in un peu je n'ai pas des trois manches il y a des trois manches ici dans la course mais les courses mais même ça l'ingé les courses et me penser que ça l'un peu vite Pour moi, Dines qui a gagné ce cheval là, l'entraînement pas trouvé gagnant. Ouais, se couler à même les pas. Ouais, c'est surtout qu'il n'est pas galopé après presque deux ans. C'est malade. Oui, moi, nous gagnons cheval tous les jours, l'entraînement souvent. Dines qui a confirmé de nous gagner cheval là, nous pas trouvé gagnant. Gris, le gris. Pas de chance. Mais là, il est mieux qu'avant. Bien mieux. Mieux qu'avant. Mais me penser, il y a un bon sens là-dedans. Mais dans les courses, on peut faire avec les courses. Ça me trouve. Goodenstown qui est cheval qui a un bon couloir dedans les tuiles peut-être pour devant mais vous avez fait bien attention dans ce cheval devant les ralentir les courses oui, définitivement. Et là vous avez regretté Gojual il a gagné un bien couloir il a un mauvais couloir cette fois-ci parce que la dernière fois il a gagné vraiment impressionnant ouais. C'est moi encore regretté il fait 35-71 dans get ça il fait 35-71 dernier 600 mètres alors qu'il coupe folio qui galope benchmark 36 il fait 35-26. Le finish, le dernier 600 mètres, qu'il faut lui sur les temps plus meilleurs qu'il y a. Et même Get Master Vol Survey, ce dernier 600 mètres, la fois dernière, il est 34-84. Moi, je veux dire qu'il va là pour gagner, mais seulement, il y a une fois, quand on analyse les courses, l'impression, caméra de nous, l'impression visuelle, qui ne s'est pas arrêté devant, et ça n'en a fini, ou gagne l'impression qu'il m'a dit, il faut. Mais quand on regarde les temps. C'est ce que je pense. Monsieur Kors, c'est la ligne très bien accélérée la dernière fois, mais il était au guetté, il y a beaucoup, ça m'a dit, qui s'est devant, je tiens trop vite, mais je peux arrêter. C'est dans 10 des cheval qui tu es fini, bien faux, c'est dans 10 Gojual et Newsman. Des grands finissiers, c'était des grands finissés, Dines Foulet. Moi, quand Dines Foulet, fin de finish, moi. Tout le temps. À la Seven Fountains. À la Seven Fountains, c'est ma mémoire extraordinaire. Et Dines, il y a un cheval qui, Mathieu Fils, prend la côte, c'est Global Glory. Un nouveau cheval de l'écurie Patrick Mervin, qui, dès ce retour en Afrique du Sud, un cheval de deux ans, troisième et premier de ce forum sud-africain, il est pas mal à l'entraînement. Est-ce qu'il ou trouve-lui dans les courses carrément? Je trouve-lui l'entraînement hier, je trouve-lui très très bien. Il paraît un joli cheval, il paraît bien taillé pour Maurice, un bon cheval. Couler est tout bien joli. Bien joli. Mais tout à l'heure, moi tu peux analyser les courses, moi tu peux guetter avant le binôme, j'aime bien. Passer une petite revue. Moi je guette sur les courses Afrique du Sud. Tu peux prendre, avec beaucoup de difficultés, les pour faire un tour, non. Mais moi je pense que Détournant avant les vignes dans la droite, Maurice. Est-ce qu'il y a encore green? Oui, il y a encore green. Mais Maurice, c'est celle bonne relation. S'il est capable de faire ça bien et que sa deuxième couloir, les poules au bide. Moi, je pense que la dernière fois, nous analysons les courses Gojual. Nous pouvons dire qu'il se classe. Si il passe à 22 mois, là, pas payé de sur l'argent, je pense qu'il peut gagner les courses. Hein. Et pour moi, pareil comme Adénus, je peux dire, pour l'in gagner, déjà, il montre qu'il y a un certain potentiel. Parce qu'il, quand même, après 22 mois d'absence, il gagne les courses. Mais pour faire lui, mon favori, de peu, devant Coupe Foliot, parce que c'est un cheval qui m'a bien content depuis ce premier sortir, Maurice. Et la dernière fois, il a le progrès, ce cheval-là. Il y a des courses bien difficiles en déo, bout en bout. C'est un cheval qui a suffisamment de vitesse. Je ne connais pas, il a aussi autant de vitesse que Gordonstown, mais il sort assez vite d'hostal. Je pense que si demain, même il y a un gros gabarit, c'est un cheval qui fait 500 pieds. Oui. Un gros cheval. Un joli cheval. Un joli cheval, un gros cheval. Même s'il met 1-9, avec surtout qu'il a sa remise de 4 kg là, s'il met 1-9 de Gordonstown, il fait un mocard, ok, ce cheval-là. En très bonne condition actuellement. En 1-9, je pense que Gojual, il pourrait être mon favori, mais quand même, il fait bien attention à Koufou Lyot pour donner du fil à retour. Et au troisième choix? Déjà, je place Golden Sound, le fait qu'il y ait un bon l'année cette fois-ci, et il risquait d'être le seul front-runner de la course, mais pas pour négliger pour un TSC. Dinesh ou TSC? Mon chassé, moi je parle pour Gojual parce que mon gagnant avec ses valeurs, moi connais un bon cheval. Il
Il y a le moment Goldenstone et Global Glory. C'est une caractère ça bien. Oui. Et Dinesh, une petite question. Vous pensez que Goduel capable le plus? Mon pensée, c'est le plus long, plus long ben, une distance un peu plus longue, 400 mètres, oui, 1500 mètres. Parce qu'il y a un qui a besoin de les courses. De les courses, et mon pensée, dans ma longue distance, plus meilleure. Vincent Allais n'est pas trop bousculé sur Mansival. Quand c'est Val, il est dit Bougard, dis-le là. Tout le temps, il est comme ça, il n'est pas prêt. Il est Mansival là, comment je commence à me gérer. Il est demandé parce qu'il Dinesh qui monte l'entraînement. Il est pour fil. Non, définitivement. Moi, je suis allé courser, c'est Goldenstone. Moi, je suis content. Goldenstone, parce qu'il est de ce poids de forme. Il fait 480 kg. Et quand il fait secondaire, il fait 482 kg. Quand il gagne, il fait 475 kg. Il est de ce poids de forme. Il est déjà à deux galops de sur la jambe. Il a une bonne ligne, un bon poids. Il a un bon parcours. Et je pensais, moi, qui Goldenstone, s'il arrivait, comme je disais au début, il est arrivé à réduire les coussins de cigarette, les plus difficiles à remonter. Je pensais que Dinesh portait à mon avis là. Derrière, l'immoplace Goduel et Global Glory, pareil que moi. Mais je pensais un coup de folie pour tout le temps assez bas, c'est pour en haut. Un gros cheval. Il n'est pas pour. Il peut sortir une suppression. Il n'est pas pour le nouveau Simo Diao. Je suis bien content de ce cheval-là. Ouais, ouais. Parce que tout le temps, c'est un cheval avec un gros encolure. Il galope vraiment bien. Il a vraiment. Non, il peut nous faire ressortir. Parce que moi, je pensais. Le fait qu'il jump the crossing, il est tout le temps. Il y a encore green, il y a encore jeune. Non, mais le 990, c'est pas qu'à faire ça. Pas qu'à faire. Mais cette fois-ci, je pensais qu'il faut mieux placer parce qu'il n'a pas de sweet pot. Parce que nous, nous là pour Guide Venture Fils, tout petit détail que c'est capable de nous donner. Et puis, parce que moi, je connais qu'il y a des contours, 990 mètres, si les jobs de crossing, les ratés droite-gauche, casse-pédi. Je pense que le jeu question d'arrêt pour servir à bon escient ce remise de 4 kg et pour essayer même en devant ou reste dans les bases de Goldenstone. Amène le cheval à bon pot. Exactement. Nous passons à l'analyse de la troisième course, The Dame Buster Cup, 1600 mètres. 7 partants au départ, Bonnie Prince qui peut retourner après ce. Très bonne course de la semaine dernière de l'écurie Chen, Santana en selle 61 kg, 3e ligne, Best Day of My Life, son arame en selle, remise de 4 kg, il ne porte que 56 kg sur les 2e ligne, Moschino de l'écurie Vincent Allette, Fédéb en selle 60 kg, 1er ligne, Viking Trail de l'écurie Simon Jones, Nichaldea en selle 59,5 kg, 4e ligne, Arlington Revenge, doublure de l'écurie Simon Jones, Alvino Roy en selle, remise de 3 kg, 56 kg, 5e ligne, Cadence Pride, de l'écurie Ricky Magor, Coney Offer en selle 59 kg 6e ligne et Star of Zeus de l'écurie Patrick Mervin, Richard Oliver en selle 56,5 kg 7e ligne. Ismaël, est-ce qu'il est toujours content Cadence Pride ou un petit appréciation pour notre cheval là-dedans? Non, je pensais la dernière fois, Cadence Pride, surprenant quand il a gagné le sprint et il est parti. Ce même de sa forme, il a bien progressé dans les courses. Le seul souci dans les courses, c'est qu'il ne risque de gagner les courses qui peinent à train. Okay. Il y a un seul front-runner, Bonnie Prince, je pense qu'il a beaucoup de rapidité, il peut devant, il ne risque pas de gagner les courses qui peinent à train. Ben, c'est pas comme Best Day of My Life et Cadence Pride, c'est pas comme qu'il peut bien un peu de train. Et le fait qu'il Best Day of My Life est la deuxième ligne, il risque de stuck le bas. Sa sixième ligne de Cadence Pride, pour moi, c'est un blessing in disguise. Le fait qu'il est pour 1-9, arrive un moment, si jamais le train est lent et que le jockey, enfin, nous connaît qui l'entraîneur Mago, il n'est pas trop content quand ce manzo qui prend ma décision, bousculer, sortir, descendre. Mais, ce jockey là pour bien au grain, parce que je pensais que Bonnie Prince, il peut faire un train assez modéré, parce qu'il a beaucoup de pas dans les courses. Mais quand même, me fait mon favori Cadence Pride, parce que malgré qu'il paye mon de classe encore une fois, c'est des affaires ressortir. L'entraîneur Mingo, quand il a acheté sa cheval là l'année dernière, c'est pour gravir les échelons. C'est pas une cheval qui ne coûte. Vous pensez qu'il Star of Zeus pour faire un bon épreuve scalpé? Star of Zeus, vous connaissez, des fois il y a un petit problème d'hostal. Il carrefond des pas, des fois il est bien slow. Mais là, 500 mètres, surtout qu'il y a une longue ligne droite, même s'ils armaient les pour retrouver un petit slow, capable de mettre une petite pression. Mais mettre une pression, pourquoi je pas capable de dire. Non, mais c'est sa façon de faire. Non, c'est sa façon. Mais comment me dire, des fois, un Star of Zeus, il ne pas prendre même des pods, il bien slow. Parce que la semaine dernière, tout Boya a gagné. Je suis même les courses, pas oublier qu'il Boya tire à 15 d'onguer. Mais Bonnie Prince, bien rapide au départ, ça. Oui, il est sorti très vite, ça. Donc, on va dire que la dernière fois, la semaine dernière, 8e ligne, il est sorti aussi vite que le cheval qui est devant. Qui fait mon petit Boya, parce que Boya, c'est obligé de suivre même les courses. Ouais, pas oublier de faire
Star of Justice fait un très bon finish, pareil que Boya. Et Boya a répété la semaine dernière. Et Star of Justice. Au niveau tactique, peut-être que oui, Star of Justice, s'il prend un bon départ, il a attaqué Bonnie Prince à l'avant, mais qui, pour avantage, best day of my life, et qui est dans Sprite aussi. Parce que je pense qu'en 41, Star of Justice se sent assez limité. Assez limité. Et Dinesh, Moshino? Moshino, pas trop monté l'entraînement, mais je trouve que le soudain et les courses, là, se permet de blinkers avec lui, et c'est Valkin Gaya avec blinkers. Ouais. Et il y a une bonne couleur, mais c'est celui qui peine beaucoup par. Si, comment je peux dire, si Star of Justice ne prend pas des pas, Bonnie Prince peut tout seul devant, vous connaissez, Enzo qui n'est pas mal trop vite, ouais, ouais. Manuel il montre le fait là, la semaine dernière, il a trouvé, comme je dis, il attend. Et je pense que c'est vrai qu'il peut zapper Bonnie Prince quand même. Oui. Parce qu'il peut devant, aussi. Il descend en catégorie, avec troisième couloir, et je pense que c'est l'équipe ZFPA. Mais sinon, si vous demandez mon pronostic dans les courses, moi je parle pour le best day of my life. Avec 56 kilos, deuxième couloir, il peut être en striking position. Et même, je pense, si, comment dire, Bonnie Prince, parce que tu vois, il est carré devant. Hein? Ouais. Il est carré devant aussi. Si, mais avec ce deuxième lit, avec ses 56 kilos. Avec ses 56 kilos. Et la dernière fois aussi, j'aurais interrompu Dinesh que. Best day of my life, la dernière fois, je pensais si le jeu qui sonne à Ram, tu démarres un peu plus bonheur, dit tu vas battre Colas Mambo. Oui, c'est le sans les courses, même qui m'a eu plaisir, qui est capable de gagner sans les courses avec ce poids, et il descend dans sa catégorie là, et que dans Sprite, il gagne les courses, il peut monter catégorie, et le best day of my life, qui est dans Sprite et Bonnie Prince. Bonnie Prince, Ismaël. Je fais mon favori qui est dans Sprite. Il me place best day of my life, comme Dinesh India, il est dans une striking position. Surtout que la dernière fois, l'amour du jockey, pour moi, il est capable de faire un peu mieux. À la troisième place, je passe Viking Trail, qui me pensait une montée par rapport à ce dernier les courses. Il est bien mieux. La dernière fois, il gagne une dixième ligne, il se retrouve bien, bien wide. Lui aussi, c'est un cheval qui, l'année dernière, galope en 46. Cette année-ci, il galope sur les courses de rentrée en 41. Il perd 17 kilos de balance, qui est une bonne affaire. Il a une année correcte. Nishatia, nous connaissons un vigoureux rider. C'est un cheval qui demande tout le temps. Il va sortir vite ça. Avec Tia en selle. Non, il est capable. Au fait, c'est un cheval qui. Pas qu'à trop blessé le bord derrière les deux ça. Il aussi, il fait bien quand je suis deuxième position. Ouais, mais je pensais Bonnie Prince plus rapide qu'il. Oui. Mais si One-Off, peine beaucoup de train, Nishard Yakav, 500 mètres, 400 mètres, c'est démarré parce que c'est un long striding horse, il demande beaucoup de vigoureux ride. C'est un cheval qui Nishard Yakav pour bien soutenir. Je pense que nous ne pas trop négliger ce bon sens. Mais bon, il n'y a pas bon sens de premier round. Mais quand même, pour moi, pour avoir ce dernier les courses, il a bien progressé. Il est mieux. Il perd du poids. Il a un bon rallye, un bon jockey. 40 dans le match 41, nous ne pas ignorer ce bon sens. Est-ce qu'il peut cause progrès? Moi, je pense qu'il va progresser vraiment. Je vais t'oublier à l'entraînement Roland Boutanif, type Montli. Il est pas mal au niveau de la condition. Il a amélioré, vous allez dire. Certainement. Et pour moi, si j'ai un cheval qui a bien progressé là-dedans, c'est bel et bien Caden Sprite. Sa saison-là, il est mieux acclimaté. Pas facile pour lui de gagner le 365 mètres, mais il fait aller. Le coup de poker de Ricky Mago qui réussit. Et je pensais qu'il est plus à l'aise de ses 100 mètres, surtout avec les forces de 4,50 m. Et pour moi, le forme qui était, pas ou pas, il pourrait aller. Oui, définitivement. Moi, ici, je partage même l'avis. Parce que le finish qu'il a montré, au 1300 au sprint, le fait qu'il progressait, moi je pensais qu'il s'en mettre encore mieux. Je pensais que le parcours mieux bouli et qui termine très très fort surtout et il y a une des meilleures chances de l'écurie qui m'a demain. Ouais. C'est qui c'est pas une cheval qui pour gagner l'autre qui pour gagner après pour être gagné, je pensais qu'il pour progresser et je pensais pour moi qu'il est le gagnant de la course, il y a des mots place best day of my life qui me partage complètement les détails qui dit ce faut le vin donner et bon Star of Justice qui va penser c'est valable progresser et qui le fait qu'il est capable de démarrer loin et il y en a la distance de 2850 mètres pour penser qu'il est capable de terminer dans le chassé. On passe à analyse de la quatrième course. Avant tout est-ce que nous qui nous demande tu as fils qui peut suivre nous en live pour avoir un message, il peut faire un petit
qui rend comme Sudoul peut faire un petit coucou à Dinesh Foul avec moi Raoul ou Hussein Kodabak peut dire un petit hello depuis Londres, il peut dire qui pour l'histoire juste pour gagner et Amris Debidine peut dire Ismaël merci pour Canary Island la semaine dernière. Nous passons à l'analyse de la quatrième course de Paul Clarin Cup. Mathieu Fils peut vraiment apprécier qu'il Dinesh Foul le plateau aujourd'hui. Hein. Nous passons à l'analyse de la quatrième course de Paul Clarin Cup, 1400 mètres, 10 portes au départ. Of Angel de l'écurie Jean-Michel Henry, Ali Hossein, on sait le 10e livre, 60.5 kg, Likerio de l'écurie Amor Sudial, Rai Turawan, on sait le 60.5 kg, 7e livre, Sidans, vainqueur à sa dernière sortie, première ligne cette fois, 56.5 kg sur les deux Sonara Mansell, et Sokeru de l'écurie, nouvelle unité de l'écurie Gajador, Yachine Mamdi, on sait 60.5 kg, 2e livre, Corlas Mambo, vainqueur également à sa dernière sortie de l'écurie Simon Jones, Alvin Roy, on sait 57 kg sur les deux, 4e livre, Stick and Ale de l'écurie Roussette, Baggy Roti, on sait 59.5 kg, 11e ligne. Juniper Lane, de l'écurie Patrick Mervin. Richard Oliver, on sait 59 kg, 9e ligne. Watch Midad, de l'écurie Gilbert Roussette. Michel Tia, on sait 59 kg, 5e ligne. Cash Cole, le revenant de l'écurie Charmer Chan. Santana, on sait 58 kg, 8e ligne. Et Gunstone, doublé de l'écurie Charmer Chan. Bachami, on sait remise de 4 kg. Les Boupot, une remise de que 3 kg. Les Boupot, 54 kg sur les deux. 3e ligne, 57 kg. 54 kg. Dinesh, est-ce que Juniper Lane est capable de gagner cette fois? La dernière fois, Lane fait second, la dernière fois même, me pensais, si tu réponds sur Cheval, un petit peu, après Cheval là, tu es encore green. Trop vite. Un petit peu vite la descente, mais quand même, il est capable de gagner si Cheval là est parti green. Ou trouve Cheval là, quand tu peux un peu jouer dans la droite, hang out, après l'Hélène Revindo, le culture trip. Mais là, comment il parle devant dans sa ligue ou ça paraît un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de frontonneurs là-dedans. Et surtout là, à l'intérieur, il y a gagne Sidans qui gagne les courses la dernière fois devant. Là où il gagne Gunstone, ici il y a un frontonneur. Carlos Mambo, ici il y a un frontonneur. Likerio, un frontonneur. Juniper Lane, ça veut dire qu'on trouve qu'il y a beaucoup pas dans les courses. Et moi, je préfère Sidans parce que la façon qu'il a gagné la dernière fois, il gagne bien facile. Il n'est pas nécessairement, il y a le devant. Il y a le devant, ça, c'est voilà. Mais avec sa 56,5, je pense qu'il est capable, avec ce premier couloir, presque tout dans son avantage. Il finit gagner sa goût, gagner les courses. Et Johnny Pellin n'a pas encore gagné les courses. Mais cette fois-ci, il ne peut pas monter parce que c'est les Kerry. Et mon papa dit ok, Aurélie l'in mal monté, l'in bien monté, mais ma sens que c'est pas là green, c'est pas là difficile. Le temps après l'effort que le jockey Aurélie fait la dernière fois en avant la ligne droite, le fait qu'il mette pression, c'est pas là, il a un petit guide au milieu. Si il s'attend, après il. Mais tout ça, c'est une split decision qui ouais, prend une décision. Moi, je pense qu'il prend une décision pour lui gagner les courses. Mais malheureusement, c'est pas là encore green. Mais si tu es parti green, il prend une décision pour aller là. Mais c'est un petit peu comme si tu tournes bien droite en ligne droite, tu peux gagner les courses. Laisse-moi répondre à Olo Sidans Dinesh qui me trouve, c'est pas là lundi à Floréal. Il n'y a pas de quoi descendre pour lui. Super faux. Gosse très forme, il est en très bonne santé, il est bien, il est bien, il prend sur les courses, super roté avec son arabe Mansell. C'est voilà, super. J'espère qu'il y a une première ligne, il y a une bonne beauté. Moi, je pense que presque tout dans ce faveur. À part si il y a le devance par Gunston ou un autre cheval, il y a avec lui, je pense qu'il y a encore capable de passer la deuxième position. Ouais, si il n'y a pas de devant, il y a un strike. Je ne pense pas penser sur le premier soir, je parle devant. Oui, pas nécessairement. Je pense quand l'entraîneur a pris Tambi, il peut faire ce homework, il peut trouver qu'il y a tellement cheval rapide, il peut finir de dire ce jockey. Si il n'y a pas de fight, il peut assister tranquille. Pas nécessairement un front-runner. Moi aussi, je fais mon favori, malgré qu'il peut monter de classe. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, il s'est galopé des courses en 61 et il a secret. Là, il peut galoper. Pour moi, benchmark 46, c'est toujours à sa portée, comme on se fait ressortir. Qui, ouais. Un cheval qui peut monter de classe, il est toujours à sa descente 4 kg, là, comme Ben Setley. Il a beaucoup de pas, mais si je pense pareil. Juniper Lane, malgré qu'il me pense qu'il est plus rapide, mais le fait qu'il y a à l'intérieur de lui, il a un cheval qui est aussi rapide, il peut. Peut-être qu'il n'est pas pour prendre le lead
aussitôt qu'ils nous pensaient. Peut-être qu'ils ont monté, ils pouvaient travailler, okay, Oliver pouvait travailler un peu. Et là, comment nous remarquer, des fois, Ninga Lopez Maurice, à chaque fois, il nous faisait comme un bounce, il tirait, il a levé. Et aussi, je ne vous ai pas oublié, cette fois-ci, il y a une force réelle, 4,50 m, le 1400 m, vous connaissez comment on donne des pas, un petit peu, comment on arrive le tour, non, là, oui, ou why, si vous continuez, là, on bien c'est, why. C'est une des bonnes raisons qui fait mon fait silence, mon favori, c'est parce qu'il me pensait qu'il y a beaucoup de pas, les poudres de bauxite, les poudres tranquilles, il n'a pas pour bien ressourcer, il n'a rien. Et Juniper Lane, c'est, il reste quand même un très bon cheval. Il a 4 ans, il est encore jeune, il a une marge de progression. Personnellement, je pense, enfin, ça c'est mon opinion personnelle, peut-être qu'il nous a rallongé loin de 1500 mètres, que nous avons une longue ligne droite qui sortit. Il n'a pas besoin de faire trop. Vous connaissez que 365, 400 mètres, il vite après reprend. Il galope, il fait ses efforts, là, le long montant. Vous pouvez un gros cheval, vous pouvez attendre, quand vous attendez, on se rappelle, il peut tirer. Puis de l'LM ou les cigales. Non, mais Maurice, il ne fallait pas oublier, ou bien besoin d'un peu la sens, et surtout, ouais, couloir, la ligne fait une grande chose, surtout le banc de distance 1365, 1400 mètres. Disons 1500 mètres, assez 100 mètres. Et puis, on pas besoin. Oui, elle se va bien rapide. On pas besoin bon la ligne, mais la distance un peu plus longue, ou pas trop. Définitivement. Le 1500 mètres, 1600 mètres, ou un 8e, 9e ligne, si vous savez, assez rapide. Le 100 mètres ou la cross. Ou la longue ligne droite ou la cross. C'est mon fait mon favori, Sidance, de Limo Place Colas Mambo, qui lui aussi, malgré le paiement de catégorie, il a une remise de 3 kg. Lien finissait, lui aussi, il n'est pas nécessairement en devant, il a gagné du poids dans une bonne position avec ce 4e ligne. Et il est très bien, il coach très bonne forme. Tout comme Sidance, comme vous pouvez dire, moi, lundi, on trouve à Floréal, il est dans une forme extraordinaire. Je fais Sidance mon favori, il y a Limo Place Colas Mambo, et à la 3e place, on met Juniper Lane, qui lui aussi est dans une très belle forme. Et Watch Me Dad? Je pense que Watch Me Dad en benchmark 46, il a tout approuvé face à un Sidance, Colas Mambo et Juniper Lane. Laisse-moi faire ça, il fait un excellent galop moi, du matin de 600 mètres. Sur les temps, c'est 11,58, 11,27 et 12,57. Un chef qui pousse un petit côté. Non, c'est Watch Me Dad, c'est un bon track worker. Il travaille bien l'entraînement. Et le cheval encore qui tire très bien l'entraînement à Floria, c'est Tour of Angels. Oui. Ce cheval-là, les plus blesses de classe, allié au Saint-Ancel, un finissier confirmé. La dernière fois, il jouait de la malchance en ligne droite finale. Oui, surtout que la dernière fois, on a l'impression que le jeu qui est Carly Charon aussi, il montait un peu trop. Alors, hier, au départ, il s'est mis en dernière position. Non, mais ça, c'était le jour de dîner sous foule quand il gagne Captain Cruz. Ça, c'est pas Captain Fleet. C'est Captain Fleet. Pas ça joue là. Non, pas ça joue là. Non, pas ça joue là. C'est Captain Fleet, ça joue là de dîner sous foule. Ouais. Et moi, je pensais que Tour of Angel, les bouts terminent très, très bien sur les courses. Si, arrivé, il gagne pas ou il gagne pas ça à temps. Et Aliosen, en celle qui a déjà gagné avec les autres supporters, il avait gagné cravasse cassée tout ça jour là. Ouais. Bon, c'est moi qui vous ai fait très attention à Tour of Angel. C'est moi, pour moi, le gagnant de la course reste Juniper Lane, parce que c'est un des man cheval qui me trouve plus bien à l'entraînement. Un joli cheval. Un joli cheval. Un joli cheval. Bien parti. Si nous venons l'entraînement, nous gagnons ce cheval là bien, nous pas compte. Parce qu'il y a conscience des courses, oui, mais mardi, quand matin, quand on met l'entraînement, on trouve ce cheval-là. Ce cheval-là respire la forme, il est bien se couler, tout bien, bien prendre sur les courses, il est bien haute par les guesses, joli le cheval, joli comme il m'a aussi. Pour moi, s'il arrive, il gagne une bonne position dans les courses, ou il récit prend devant avec le jockey Richard Oliver, pour moi, Juniper Lane reste gagnant de la course. Vous ne pensez pas, mais il n'a pas vite Mourad, non? Sa forme qui était là, on ne peut pas croire qu'il peut venir un peu vite. Peut-être qu'il y a place par l'écurie. Dans la piste. Peut-être qu'il y a place par l'écurie. Derrière les mots place Sidance et Tour of Angels. Nous passons à l'analyse de la 5e course. Une épreuve de 1600 mètres de l'eau du Ferrin Cup, réservée à 20 chevaux de benchmark 51, la classe 5. 9 portants au départ, 6 air de l'écurie Raj Ramdin, Bachamian, 57,5 kg 5e ligne, Consular War de l'écurie Debbie, Sonaram, 57 kg 9e ligne, Hubble de l'écurie Simon Jones, Alvin Roy, 58 kg le solide 7e ligne, Cazor de l'écurie Alain Pedro, Vikram Solan, 61 kg 6e ligne, Royal Italienne de l'établissement Cyrus Naran, Robbie Bicarion, 61 kg 4e ligne, Bag of Tricks, Jamie Aliosen, 60,5 kg 2e ligne, Blackburn Rock de l'écurie Gilbert Roussette, Michel Tillon, 60,5 kg 8e ligne, Charleston Hero de l'écurie Vincent Allette, Benoît Fedeb, 60,5 kg 3e ligne, et Inemilion de l'écurie Cyrus Naran,
Akash Ouattara, dans 60.5 kilos, première ligne. Dines, Charles Toniro, Galo Litfea, avant sur les courses de la fin dernier, rappelle-moi, il fait un Galo 12, c'est bien, mais il termine joli les courses de Captain Fleet, qui a même remporté d'ailleurs. Et après ça, les courses, ça, est-ce qu'il y a une progression à l'entraînement? Nous pas fait un grand travail avec lui beaucoup à cause enfin il y a assez fit nous fait un plutôt bon maintenance work avec lui mais moi penser ça c'est voilà man cinquantaine n'a pas paraît un peu dur pour lui moi pas dire lui pas capable de gagner c'est voilà très très bien il y a un bon couloir moi dans les courses moi tu vois man c'est voilà comme Blackburn Rock et Bag of Trick qui fait très bon les courses dans les courses 16 day si vous mettez Twist of Fate là dedans vous connaissez Pena photo. Et à Poindaz, il fait une troisième place. Mon coach, il extérieur pour tout dans le course là. Néo-vent, dans 16. Là, il y a un deuxième couloir, peut-être lui-même pour devant. Vous pensez, soit lui ou Hubble pour devant, ou lui pour donner une striking position. Moi, je parle pour Bag of Tricks. Et derrière, lui, je vais mettre Blackburn Rock et puis je vais mettre Charles Tenero. Bon, on sait, Dines, il résume le tout. Il résume les courses. Ismaël, donne-nous sélection. Non, enfin, c'est un écoute assez ouvert, vous pensez. La dernière fois, Blackburn Rock, je n'ai pas pensé au summum de sa forme. Non, d'ailleurs, moi, du matin, à l'entraînement, les parties extra. Ouais. Moi, tu fais ressortir, je pense. Ouais. Et les parties extra à l'entraînement, d'ailleurs, il y a une perdue sur les courses. Ce n'est pas pour la faute de jockey ou n'importe quoi. Oui. C'est pas la tienne, un petit moquement. Oui. Il y a une perdue derrière Toro Bravo, qui est un excellent. On a trouvé en début de la course. Écoute, il y a une petite difficulté pour suivre le pas. Peut-être que ça manque de travail là, mais je vais dire que ça, les courses, ça fait énormément de bien. Ce val-là, il paraît révigoré. Encore mieux. Les 1600 mètres, pas un problème. Dans ce faveur, cette fois-ci, je ne pense pas aussi loin que ça. Je peux faire l'immo favori de ça, les courses. Malgré qu'il, bien sûr, nous bien respecter les courses de Bag of Tricks dans la Duchesse. Écoute, je suis assez surpris pour la course de Bag of Tricks. Ouais. Surtout qu'il espérait tourner. Pourquoi si c'était ce premier les courses après castration? Il fait une très bonne course, comme Dinesh Pedia, si nous tiens Padre Pio qui favorise un des bons favoris de la course de course principale et qui peut-être la semaine prochaine, tu sais, fait favori du Bobé, ben, nous pas capable d'ignorer ce bon chance dans les courses, surtout qu'il y en a deuxième ni, il peut gagner une course en eau. Je pense que Hubble plus rapide qu'il est. Hubble, peut-être pas au niveau du gate speed, mais après, le fait qu'il sait s'en mettre Hubble par devant. Et un long ligne droit. Un long ligne droit, puis à devant. Je fais mon favori Blackburn Rock devant Yalimo place Bag of Tricks, mais de très peu. Pour moi, c'est a two horse race. À la troisième place, je vais mettre Consul of War qui, quand même, dans les courses de rentrée, il y a Captain Flint, l'occasion s'en mettre la dernière fois, qui a une mauvaise année. Mais quoi que c'est un backmark, il vous termine bien. Il pour dans le TSC, je pense. D'ailleurs, c'est au TSC, pareil que pour moi, aussi, c'est Blackburn Rock devant. Bag of Tricks et Consul of War. Je pensais que Blackburn Rock a mieux progressé au niveau de la condition et je pensais qu'il est que Roussette, l'entraîneur, Roussette et son assistant sur des terrains, estime ça, c'est pas là, et autres. Et je pensais qu'ils ont. Oui, et le jockey Nishal Tiha qui est un strong rider. Je pensais que c'est pas là, le placer dans une bonne position pour lui. Oui, one of même, je pensais que c'est une bonne position pour lui. Je pensais que le gagnant, de toute façon, il est bien entre Blackburn Rock et Bag of Tricks. Sur papier. Nous passons à l'analyse de la sixième course, 990 mètres de siège, Henry Cup, réservé à 20 chevaux de la classe 7 et 8, Benchmark 31, 8 portants au départ, numéro 1, Badawi, de l'écrit Simon Jones, Alvino Royoncel, propose 57,5 kg sur le 9e lit, James Pitt, de l'écrit Cyrus Nara, Robbie Bicari, en 60 kg 7e lit, Thirian, de l'écrit Patrick Mervin, Richard Oliver, en 60 kg 2e lit, Double Fink, Damien Aliosen en selle 59.5 kg 4e ligne, Gunner Runner, Nishal Tia en selle 59.5 kg 3e ligne, Walls of Dubrovic, nouvelle unité de l'écurie Sam Chan Santana en selle 59.5 kg 5e ligne, Master Mariner de l'établissement Jean-Michel Henry, Calicheron en selle 58 kg 8e ligne et Ticket to Cairo, deuxième représentant de l'écurie Jean-Michel Henry, Bachami en selle, il propose 54 kg le solide 6e ligne. Ismaël, est-ce qu'il Double Think and Benga? Tu as pas pensé? Excuse-moi, demande Dines. Dines, est-ce qu'il y a un Benka sur papier? Benka, là, moi, pas trop. Benka, parce qu'il est tout à fait capable d'arriver dans les courses. Et Double Think,
Galvin très bon les courses, ça des fallait quand même battement on connait défouler encore ça jour là. Et là il est sorti de 36 là haut, il peut descendre une catégorie, il peut venir galber dans 31. Il gagne une meilleure couleur et moi je me mettre comme pronostic comme gagnant. Comme gagnant devant James Peter et moi tout ça c'est pas le vol il y a une bonne forme Sud-Afrique. Moi, tu vous mettais troisième place. Troisième place. Ouais. Et Ismaël? Moi, pour moi, là, sur les courses de Captain Garrett, avec un meilleur Lani, une baisse catégorie. Pour moi, Double Fink reste le cheval à battre. James Peter, la dernière fois, il défend très facilement. Mais sur 990 mètres, avec un cheval rapide à son intérieur et à son extérieur, mon parcours qui est aussi facile qu'il est devant le. 450 mètres. Je pense que 990 mètres, le bon qui nous fait ressortir, c'est quand même un cheval qui est très coté dans les courses. Hein. Ouais. Personnellement, je pense que 990 mètres, la prudence est de mise pour James Peter. C'est pas, oui, ce n'est pas vraiment ce parcours de prédilection, mais peut-être que sont entraînés dans les courses à venir dans les semaines qui peuvent venir. C'est pour ça que le fait qu'il se va là bien, il bien prend sur les courses, il est en bonne condition. Ça. Il a sauté de là, c'est là très bien, très très bien. Condition. 997 pour moi c'est un récent. Ou c'est Double Pick le mieux avantagé le parcours. Sur le parcours, par rapport à l'année, circonstances et courses, Double Pick pour moi reste le cheval à battre. Moi partage les mêmes avec vous. D'ailleurs, moi pour moi au demandement, à un moment je trouvais que Double Pick encore progressait au niveau de la condition, à les courses, sur les courses il fait beaucoup de bien. Il est best catégorie avec une bonne année, le parcours qui est mieux à sa portée. Et un jockey qui peut faire bien. Moi, je pensais que Double Fink reste le vainqueur sur papier. Derrière les mots, place Gunner Runner qui fait un excellent boy trial avec Blinkers, mais sur entraîné, il ne décide pas de mettre Blinkers cette fois. Et c'est valable pas de galop avec Blinkers au champ de Moss, mais il gagne des courses avec Noseman. Je pensais qu'un Nishaltia mieux placé dans les stalls pour place Gunner Runner, même il n'est pas pour drôle pour moi, tout ça, c'est valable. Suivre très très près Gunner Runner. Pour moi, Gunner Runner et Double Fink pour lutte pour la victoire. Il n'est pas pour, aussi facile pour Double Fink, crois-moi, parce que Gunner Runner a une préparation très méthodique en vue de cette course. Il travaille beaucoup, parce qu'il me connaît. C'est moi, il travaille beaucoup de boy. C'est pas là qu'on get lui, c'est pas là d'une bonne forme. Moi, je pensais que Double Fink bien fait très très bien attention à Gunner Runner et pour d'ailleurs, je te mets place James Peter. Moi, je vous donne meilleure chance de la course à Double Fink. D'ailleurs, il me place James Peter quand même. Malgré les 990 mètres, nous avons respecté lui. Et à la troisième place, on met un cheval qui me trouve en progrès à l'entraînement. C'est un cheval assez perfectible qui me pensait progresser sur les courses, malgré qu'il soit les courses de rentre, pas si une course encourageante. C'est Ticket to Cairo. Je pensais qu'il nous avait expecté un better run by him demain. Et Dinesh Chessy, c'est Double Fink devant. Double Fink devant James Peter et Walls of Dupont. Je passe à l'analyse de la 8e course de Royal Deed Cup. Royal Deed, qui tient le cheval de l'écurie Philippe-Henri. La Duchesse. Et 1500 mètres, réservé à un cheval de la classe 9, 0,15. 7 portants de Pozantus de l'écurie Patrick Mervin. Richard Olivon, 16,61 kg, 2e ligne. Blunderbuss de l'écurie Raj Ramdin. Sunil Bassant, 16,60,5 kg, 6e ligne. Midnight Messenger de l'écurie Nagadou. Khalid Cheren, 16,60,5 kg, 4e ligne. Misty Roll. Sonaram, on sait 56,5 kg de Soledo. Première ligne, Hit the Green, de l'écurie Ricky Magor. Connaît au fond, on sait 60 kg 7e ligne. Tagus Bone, de l'établissement Alain Pedro. Otaraz, on sait 60 kg 3e ligne. Slight Scottish, de l'écurie Amor Sudal. Radio Rawan, on sait 56,5 kg 5e ligne. Dinesh, pen l'eau. Moi, je vais get ça les causes. On verra au game, c'est mal. Bien moyen. Et le forme, j'ai tous excellent forme. Des informations montent, mon appel d'essai avec lui. Pas kick. Les pancakes, du tout, moi, je pensais. Bon, les causes. Moi, j'ai des pour kick. La ligne droite pour kick. Non, rien. Si il gagne ça, ou là, on fait Hall of Fame. Mais moi, je parlais de Misty Roll, un cheval qui tout le temps, il fait bien fraîche, il galope bien fraîche l'année dernière, comme tu montais pour mes sorties, tu es bien galopé. La seconde, il galope bien fraîche. Il galope bien fraîche. Il galope bien fraîche, et là, il galope dans 0,15, 60 kg, moins 4 kg, il gagne le premier couloir. Je trouve, parce que
Un petit peu tout dans son avantage, mais existe les mêmes cheval là, vous connaissez pas les bizarres. Le fait qu'il les pégale pour un cheval qui dézaine un de l'écoute, c'est ça qui se passe. Oui, après, le fait qu'il monte cheval, là, qu'a confirmé, c'est un cheval qui n'est pas aussi rapide que ça doit les boîtes. La première ligne, il appelle ou bien pousser le départ. Moi, tu préfères les gagner plus mauvais que l'autre. Mais il y a la ligne extérieure. Parce que si un cheval crosse le départ, il va le stock. Parce que un cheval qui vous a pousser, là, il prend l'élan, il y a le devant. Il est capable, mais sa première ligne là, quoique moi aussi, le fait qu'il le chante est très mais moyen. Man se va à côté avec Liz, Antus, même Tiger Bones, ça m'a pas quoi, c'était sur la porte de Midnight Messenger. Il y a une petite vitesse. Mais un cheval là, donc, moi je peux les tomber pour là, à l'instant, plutôt un blender brush, l'été, la première journée, non. Tu retournes avec une blessure et puis si tu gagnes les courses en désordre, tu gagnes 3, 4, wide. Il n'y a pas de mauvais cheval dans son bon jour. L'année dernière, il m'a monté, il m'a perdu l'Hobbit avec lui. Il m'a fait un bon les courses, après il m'a gagné les courses. Encore un cheval qui m'a gagné les courses, là, je ne pas connais. Tantôt, il m'a gagné les courses, mais c'est Roland qui a gagné les courses. Un des cheval qui gagne les courses, ça c'est là. Un sont très moyen comme je veux dire, mais dans les courses là, moi penser ça Mistirola meilleur le se forme, vous trouvez tout le temps premier second. Oui, mais il est consistant de ce moment-là. De ce classe. Il est consistant, mais moi tu vous donne un deuxième Mistirola, moi tu mets blender brush et puis hit the green qui tout le temps limoque ça petit 5 sous là au fin de roupili. Ismaël, moi ici faut de mieux, mais comment me dire, la première ligne n'est pas nécessairement en faveur de Mistirola, surtout qu'il n'est pas un quick beginner, mais comment faut de mieux, vous en tous la dernière fois comment dire, je peux dire une décevoir, moi ici un dream run, il n'est pas un kick, il n'est pas un accéléré, Hit's a Green tous les chaque fois les sorties nous disent cette fois-ci, mais cette fois-là ne vient jamais. Mais vous mettez Mistirola. Il y a l'immoplace quand même, Zantus, parce que le champ est vraiment moyen quand nous mettons Midnight Messenger en début de saison. Maintenant, tu dis, j'aimerais retirer de l'effectif, vous pensez. Donc, je vois la Pérévini, Slaty, Scottish, très moyen. Tiger's Bone, quand même, first time 0-15. C'est un cheval des fois qui dit flat-footed, il rate ce départ, il perd sur les coups, ce départ. Mistirola, Zantus, troisième place, quand même, Hit the Green, qui est régulier, second, troisième. Tiger's Bone, pas qu'à gagner. Qu'à gagner. Mais le problème, pour moi, c'est où il rate des pas. Souvent, il perd sur les courses au départ. 7 portants, il y en a 1500 mètres. Oui, si vous ratez, il perd 3-4 longueurs depuis le départ même. Non, il rate des pas, ça considère. Non, il y a des fois, il flappe footed, slow. Enfin. Il y a des low là, tout possible. Non, le low, tout est possible. Comment, la dernière fois, nous trouvons, bon, il y a des flappe footed. Après, il prend ses départs. Mais attention à Tiger's Bone demain. Peut-être. Non, dans ce champ-là, tout est possible. Moi, mon TSC, c'est Tiger's Bone devant Zantus. Tiger's Bone gagnant. Mistirola. Je passe à l'analyse de la 9e et dernière course. Edward Deblet Split, 1365 mètres. Réservé à 20 chevaux de la classe 8, 0,26. 8 portants au départ. Alpiro, cheval numéro 1 de l'écurie Patrick Mervin, Richard Dolivant, 60 kg 5e ligne, Citadel. De l'écurie Radiador, et Mamdi en 60 kg 2e ligne, Massimo de l'écurie Vincent Allette, Fedeb en 60 kg 7e ligne, Stage Wall de l'établissement Alain Pedro, Ocharaz en 60 kg 4e ligne, Ultimate Warrior de l'écurie Rameshwar Gadador, Ali Hossein en 1er ligne, Volatile Energy, Robbie Bicari en 60 kg 6e ligne, Zenon de l'établissement Ricky Magor, Coneofa en 60 kg 3e ligne, et Sonaz Cessna de l'écurie Debi, un inédit. Sonara Moncel, 53,5 kg, 8e ligne. Dinesh, est-ce que Massimo est un petit champion? Il n'est pas un petit champion pour moi. Vous connaissez, pour guetter même dans les courses, je trouve un paquet nouveau, comme je disais, un 16, 0,26. Mais là, non, Massimo, je n'entends pas ce cheval-là. Il y a un bon cheval, mais je pense qu'il fallait pour besoin des courses, qu'il fallait non. C'est Valen très très bien travaillé à l'entraînement, il n'a pas progressé, mais puis monté encore presque un mois, des mois, problème. Bien souvent, on entraîne ça, c'est Valen peut travailler très très bien. Il improve, mais peut-être qu'il peut besoin d'un écho. Mais là, s'il a gagné, c'est un plus. C'est un plus.
Oui, c'est un beaucoup un facteur de l'évolution. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de nouveaux. Et alors, un cheval qui m'a trouvé le matin, Citadelle, un cheval que de Gadjedo, m'a trouvé ça, cheval-là, très très bien. Il travaille excellent bien, un excellent galop, moi, du dernier. Je ne trouve pas l'idée devant moi, je trouve ça. Et Ultimate Warrior, c'est un joli cheval. Un joli cheval, un joli argent. Mais si vous demandez, moi, tu essaies pour ça, les courses, moi, je parle pour voler Energy, parce qu'il y a un cheval qui a l'expérience. Les autres là, 3 ans. Il n'a pas de green, capable de green, et surtout s'il y a le devant. Et voilà, c'est le cheval qui est devant là-dedans. Je pensais, je trouve que c'est un d'après cette forme qui était là. Je pensais, voilà, il a dit, si les tuiles font un d'un, il pouvait dire les gros ça. Si il y a les gros ça, c'est un jeune cheval qui peut tirer, mais c'est fraîche. Ou pas connaître comment c'est pour. Exactement, comment c'est pour qu'on peut dire. Le cheval Ultimate Warrior, laisse-moi faire ressortir qu'il y a plus que 12 à 13 galops à ce cheval-là. Bon, c'est même plus. C'est valable, il entraîne très très bien, excellent boy trial, premier nid. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est comment on peut dire, pas qu'on est sur un nouveau cheval là. Comment capable de savoir un nouveau là, un petit champion, on ne va pas connaître. Il y a un facteur. Alpirode Kogetli. 80 PF Lexing paraît à l'heure, ou c'est un diamond. Même Alpirode Kogetli, un joli modèle, 501 kilos. Joli cheval, joli cabaret. Il travaille très très bien. Si je me trompe, 3 semaines de service, il travaille à côté de 10 danseurs, il fait un joli galop. Et après ça, il y a un travail avec Vanessa Cheval, il n'est pas trop bien dans mon artiste là. Mais je pense que ce cheval-là, il est en bonne forme pour débuter. Il est en très bonne forme. Même Citadel, même les Massimo et Stage World. Qui ou cheval qui est bien content. D'ailleurs, contre Mati, qui fait la semaine dernière, c'est un cheval qui m'a trouvé, comme au Gadget, en look, je me trouvais que c'est un cheval qui fait bien Maurice, c'est un cheval qui fait bien. Stage World, c'est un cheval qui m'a pensé, moi, il vous fait un bon les courses. Et pareil, comment, pas pour nous, il y a un charas pour mon chat. Définitivement. Ultimate Warrior, c'est un cheval d'avenir. Il y a un premier ligne, il vous fait bien. Volatile Energy reste un des bandes principaux animateurs de la course. Il est capable de tenir et pour l'avantage. Sonar, c'est un cheval qui est inédit. Il peut débuter ce courrier. C'est un joli, c'est un argent. Un joli cheval, mais il peut faire ce premier des courses de ce courrier. Mais quand on fait les tours, la côte, vous trouvez, pareil, comme Dinesh Bézier. Qui pour la Tanzanie, il parle avec un avantage de l'expérience, il a métier, et Robbie Bicari, lui met ses balles là devant tranquille, lui voyager, on ne sait pas d'ailleurs par connaît qu'il vous faire. Sauf qu'il ne pas connaît, le fait qu'il a beaucoup de nouveaux, peut-être qu'il est nouveau, il a beaucoup de pas d'ailleurs. Moi, mais pas pour dire les stage world, parce que même si je ne pas le lever encore, il n'est pas joli pour qu'il ait un look, mais ce travail joli, il travaille très très bien. C'est pas parce que ce man workout. Assez intéressant. Oui. Il montre qu'il c'est un cheval quand même. Alpirode, Citadel, Stage Well. Sa trois chevaux-là, comme on trouve, à l'entraînement. C'est un cheval qui, quand même, démontre que c'est un certain potentiel. C'est pas un cheval qui, comme on peut venir faire un petit lait. Non. Galoper. Guinness, Volatile Energy et Citadel et Ultimate Warrior. Ismaël. Volatile Energy, parce que pour moi, il est le seul frontrunner de la course. Alpirode qui très bien, bien content de ce travail, ce gabarit, me trouver un cheval qui peut-être qui à l'avenir il pourra être plus long, mais il a fait un très bon début. Troisième place pour mettre Zenon quand même qui déjà par rapport à les autres nouveaux, déjà un galop des gens dans la jambe. La dernière fois il s'est un peu chuté, mais on sait qu'il ça les coussins fait du bien et pourquoi pas à la troisième place dans le TSC. Avant que vous donniez mon gagnant, que vous connaissez déjà, laisse-moi dire ce galop de 4 juin, 12-32. 11-08, 12-64, 12-73, 11-85. Un joli travail. Un joli travail. Et avant qu'il nous termine, faut pas vous oublier remercier ce qu'ils ont fait pour nous rester là en Angleterre. J'espère qu'il pour au moins soit chaman irréalisable aussi. Et avant de terminer, Dinesh, un dernier mot. La saison, comment tu peux expect objectif? Là, on finit avec 6 victoires. Moi, j'espère ça continue comme ça. Ben, l'entraîneur fait moi confiance et continue à sa porte, gagne un bon cheval. Oui, si championnat vient, j'ai porté.
bon, pour avec plaisir. Et ici parvenir, mais nous continuons bon. Try nos best. Il y a un maximum victor. Tu t'es fait pour aller bober, pour qu'il entraîne tu t'es fait ou côté du cheval tous les jours, presque tous les jours dans une semaine. Vous pensez qu'il est capable de gagner le bobby? Moi, je pense qu'il est capable de gagner parce que un des meilleurs chevaux qui m'ont monté là actuellement à l'entraînement. Et Mopetro lui-même, un des meilleurs chevaux qui est à Maurice actuellement. Mais je ne pas trop. Le bon Pina, vraiment, c'est Pina, qui est au qui montrait moi. Je ne connais pas Frosted Gold. Peut-être ben, Frosted Gold cette semaine. Ben, cheval comme ça. Ou quand Jack, moi, je pensais pour faire une danseuse qu'il y a un problème la fois dernière. Je ne connais pas le cas. In distress, tout ça. Sur Van Gallo, pas mal. Il est pas mal. Mais nous trouvons, je pense, cette semaine-ci, nous pouvons. Pour la bande meilleure, c'est pas pour galoper cette semaine-ci, ben Aliasat, tout ça pour venir, et nous guetter un coup. Aliasat, c'est mon Dieu, qui m'a dit une fin de galop époustouflant. Il passe à côté de moi, c'est place. Ça, mon Dieu, mais il n'est pas capable de finir comme ça, oui, une fin de galop, parce que c'est pas c'est pas un galop. C'est pas un galop de France, même il y a un bon cheval, mais il n'y a pas un. Ben, oui, circonstances, mais tu sais, en fait, c'est un très très bon cheval. Très très bon cheval. Ouais. Il est respecté à la classe. Ouais. Même cheval, oui, c'est moi, la prudence est de mise parce qu'Aliasat n'est pas trop l'officier, c'est un galop qui ne fait pas là. Ouais. C'est des galops vraiment époustouflants. Bon, non, ça, tu fais un grand plaisir qui tu sais, en fait, gagne les gros ça. Vous venez ou dans l'équerie ou dans Sam, dans une équipe qui. Surtout dans les guerriers au contact ouais. Ouais, ça fait au combat et d'ailleurs c'est pas des ben, plusieurs années qui vous coûte mon côté mais troisième année côté Vincent Allette. J'espère que la confiance qui Vincent Allette est là d'en haut ça reste comme il était et qui Vincent de nous une très très bonne amende pareil que m'a tout entraîné et qui dîner se foule avec 6 victoires actuellement. J'espère que 15e journée 16e journée où on arrive 15 16 Dines, avant de terminer, un banker. Un top win, bien sûr. Un top win, enfin, moi, je parle pour Gojiwal. Si, même les causes, même dernièrement, je me sens pas mal, tu peux arrêter de voler une passe zut. Mais je pense que tu peux bien ça, galo là, ça, zo là, l'in gagner quand même. L'eau, ça, les causes, ça, je pense que un top win. Et un petit cheval, je pense que Blenderbush dans la. Est-ce que Blenderbush, il y a long shot? Long shot. Un top place? Mid Blender Bush, man. Blender Bush dans le. Ouais, c'est cheval, Dines, il me bien pensé, dit. Ismaël, ou top win, s'il vous plaît? Moi, top win, banker. Ou banker, vous avez fait bien, parce que man, tu as fait ce suivi, vous, après Colas Mambo, après Canary Island, 2-2, assez obligé. Jamais 203. Vous avez fait un hat-trick, c'est la troisième semaine à suivre. Ouais, moi, je parle pour Double Think, mon banker. Vous pensez, tout de suite faveur par rapport à ses circonstances et causes. Un outsider d'un Viking Trail qui me pensait in progresser le ce dernier sorti et capable de causer un upset. Un top place, full goal dans la course principale. J'ai un bon top place. Et pour moi, top win, je parle pour Johnny Pellin. Je pensais que c'est voilà, le forme qui était actuellement, il a bien gagné les courses. Même si les courses sont un petit peu difficiles, je pensais qu'il est capable de surmonter la 9e parce qu'il a des courses qu'il a gagné avec 11e lit en Afrique du Sud. Je pensais que c'est un cheval qui, après ça, les courses, il a bien le repos parce que cette journée, il prend les courses. Je pensais que c'est ce tout gagné. Mm. Et moi aussi, je pensais qu'il est parti bien perdu sur des premiers sorties. Je pensais que c'est une circonstance des courses, c'est un petit rire qui est arrivé. Et ce cheval-là, crois-moi, il est d'une superbe forme. Je vous donne comme le top win, top place, je vous donne Tiger's Bone. Je pense qu'il est le meilleur finisseur de la course. Je pense qu'il termine dans le TSC. Dans les places. Et pour un outsider, je vous dis Golden L'œil au Arizona Seal dans la course principale parce qu'il s'est pas là, il n'est pas mal galopé dans la Duchesse et qu'il peut faire bien cette semaine avec Richard Olivan seul. Je remercie Ismaël à mes côtés cette semaine. Un grand merci à Dines qui a accepté l'invitation. Dines, merci. Merci. Et ben, amis de l'office, nous retrouvons la semaine prochaine pour l'analyse de la 8e, l'analyse de la 8e journée la semaine prochaine qui est pour le Bobby. Le week-end de course la semaine prochaine. Week-end de course la semaine prochaine.
Et nous retrouvons pour l'analyse de la 8e et la 9e journée épique. Merci. Bonsoir. Harmonica va essayer de revenir. Rob Roy avec Harmonica. Rob Roy va tenir jusqu'au bout devant Harmonica. À l'avantage, Eva, New Star, New Star, les gars, Wall Tag, puis Stop Tape, Wall Tag, Trippies Express, Trippies Express, Wall Tag, devant Trippies Express. They've been trying to catch him, but in vain, there goes Zero Cheval is on fire, a hat trick for the man today, King London Legacy by three length over Dawn Red. Également pour l'instant, le club de Kester Grish avec Linda à l'extérieur, Kester Grish qui termine fort, Kester Grish, Kester Grish pour l'emporter. Tree à la Fortune qui monte de plus en plus fort, Seven Fountains à l'extérieur, Tree à la Fortune, Seven Fountains qui monte de plus en plus fort, Seven Fountains. C'est un Big Lion et Into Big qui termine de plus en plus fort, King Five avec Big Lion à l'extérieur de King Five, Big Lion. Big Lion va l'emporter sous la bande de Dinesh Souffol.